Bonjour et bienvenue sur Floraison. Je suis Gladys et depuis 4 épisodes, je vous présente la pensée de Maria Miss dans son livre Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Dans l'épisode précédent, on a vu que la nature humaine des hommes et des femmes est sensiblement différente, que cette différence conditionne notre rapport au monde et ce que signifie être productif et productive. Aujourd'hui, on va terminer ce deuxième chapitre en examinant comment les femmes ont été assimilées à la nature et exploitées par les hommes. Maria Miss rappelle d'abord qu'il faut garder à l'esprit que le terme « productivité », ici, désigne les capacités spécifiques des êtres humains à produire et reproduire la vie, dans un processus historique. C'est-à-dire que la productivité des femmes est la condition préalable à la productivité des hommes et de tous les développements historiques mondiaux. C'est-à-dire que de tout temps, les femmes ont été, sont et seront les productrices de nouveaux êtres humains et que sans cette production, tous les autres perdent leur sens. Par conséquent, les diverses formes de productivité que les hommes ont développées n'auraient pas pu voir le jour s'ils n'avaient pas utilisé et subordonné la productivité des femmes. C'est à partir de ce postulat que Maria Miss s'attaque au mythe de l'homme comme chasseur qui nourrit sa famille. La première division sociale du travail entre les femmes cueilleuses, puis cultivatrices, et les hommes chasseurs a seulement pu prendre racine dans le terreau d'une productivité développée des femmes. La productivité féminine consistait avant tout en la capacité d'assurer la subsistance quotidienne, la garantie de la survie des membres du clan ou de la bande. Elle devait le faire non seulement pour elle-même et leurs enfants, mais aussi pour les hommes, au cas où ils n'auraient pas de chance lors de leurs expéditions de chasse, qui est une économie de risque. Les femmes produisaient jusqu'à 80% de la nourriture quotidienne à travers la cueillette et la prise de petits animaux. De plus, les chasseurs de gros gibier dépendaient de cette subsistance pour leurs expéditions. Ainsi, les femmes iroquoises pouvaient mettre un veto à ces expéditions et même aux guerres, en refusant de les financer avec leur nourriture. Plusieurs travaux paléanthropologiques montrent que les femmes du paléolithique étaient d'une grande robustesse, même si en moyenne, elles avaient quelques centimètres et kilos de moins que les hommes. La thèse selon laquelle les femmes étaient moins vigoureuses car systématiquement privées de nourriture carnée est réfutée par les analyses de leur squelette, qui ne présentent pas plus de pathologies dues à des carences alimentaires que ceux des hommes. L'étude d'excréments fossiles en France, vieux de 200 000 ans, et au Mexique, vieux de 12 000 ans, démontre que le régime alimentaire de ses ancêtres était essentiellement composé de végétaux, de grains et de mollusques. La chasse n'avait donc pas l'importance économique historique qui lui est attribuée, et les hommes n'étaient ni les nourrisseurs, ni les inventeurs de la société humaine, ni les protecteurs des femmes et des enfants, tels qu'ils persistent à être décrits dans la littérature, dans les films et même dans les études sociales. Maria Miss cite un ensemble de chercheurs en sciences humaines, dont les anthropologues Lionel Tiger et Robin Fox, qui ont interprété l'histoire de la façon suivante. Selon eux, le moteur du développement humain et l'origine de la relation de domination entre les femmes et les hommes se trouve dans l'infrastructure biologique des chasseurs de l'âge de pierre. Le chasseur est l'inventeur des premiers outils, qui sont forcément des armes, mais aussi de la bipédie nécessaire pour lancer les armes. Les hommes nourrissent et protègent les faibles femmes et enfants, et ils sont les inventeurs des systèmes de normes et de hiérarchie sociale, dont le seul objectif est de freiner l'agressivité biologiquement programmée des hommes dans leur lutte pour le contrôle de la sexualité des femmes. La relation de domination et d'exploitation entre les hommes et les femmes serait ainsi ancrée dans l'infrastructure biologique du comportement de chasse. Les hommes fournissent la viande dont les femmes ont envie. Par conséquent, les chasseurs ont pu soumettre et subordonner les femmes de façon permanente en tant qu'objet sexuel et ouvrière, donnant aux chasseurs cet énorme avantage sur les femmes. C'est l'attachement qui s'est développé entre les hommes dans ces missions de chasse. Voici la version de la préhistoire telle que deux anthropologues du XXe siècle l'ont interprétée et racontée. Pourtant, comme on l'a vu plus tôt, et comme l'a montré le travail d'autres chercheuses féministes comme l'anthropologue Françoise Héritier et Marilène Patou-Mathis, ce n'est pas la vérité. Il s'agit d'une interprétation masculiniste, misogyne de la préhistoire héritée du XIXe siècle, dans un contexte intellectuel et social où les femmes n'assumaient aucun rôle dans la vie économique et politique. Et c'est encore aujourd'hui la justification avancée
pour expliquer la cause des inégalités sociales, pour leur donner une origine naturelle. Reste la question de savoir pourquoi les femmes, avec leur productivité économique supérieure, n'ont pas pu empêcher l'établissement de la relation hiérarchique et exploitante des hommes sur les femmes. Mais poser la question ainsi revient à supposer que le pouvoir politique découle du pouvoir économique. Or, Mariamis a bien démontré que ce n'était pas le cas. Pour tenter de répondre à cette interrogation, elle observe de plus près les différents objets inventés et utilisés respectivement par les femmes et les hommes. Elle souligne d'abord que la technologie des femmes est restée productive au sens véritable du mot, c'est-à-dire qu'elle produisait quelque chose de nouveau. La technologie de la chasse, par contre, n'est pas productive, c'est-à-dire que l'équipement de chasse, proprement dit, ne peut être utilisé pour aucune autre activité productive, contrairement à la hache en pierre. L'arc, les flèches, les lances sont essentiellement des moyens de destruction. Leur importance réside dans le fait qu'ils ne peuvent pas seulement être utilisés pour tuer des animaux, mais aussi pour tuer des êtres humains. C'est cette caractéristique des outils de chasse qui a été décisive dans le développement de la productivité masculine et des relations sociales d'exploitation inégale, et non le fait que les chasseurs, en tant que fournisseurs de viande, étaient capables d'élever le niveau de nutrition de la communauté. La relation des chasseurs à la nature, en tant qu'objet, se caractérise ainsi. Elle donne aux chasseurs du pouvoir qui ne provient pas de leur travail productif sur les autres êtres humains et sur les animaux. Ils s'approprient non seulement les fruits et les plantes comme les cueilleurs, les animaux, mais aussi les femmes productrices sous la menace des armes. La relation, sous cette contrainte, est donc prédatrice et exploitante. Les chasseurs s'approprient la vie, mais ne produisent pas la vie. C'est une relation antagoniste et non réciproque. Cette relation de domination et non de coopération avec la nature que les chasseurs établissent est devenue le principal paradigme de la productivité masculine. Sans la domination et le contrôle sur la nature, les hommes ne se conçoivent pas comme productifs. Grâce aux armes, les chasseurs pouvaient non seulement tuer les animaux, mais aussi organiser des raids sur les autres communautés de producteurs de subsistance et kidnapper et s'approprier les femmes et les jeunes. Des anthropologues comme Claude Meillassou ou Ernest Bornemann ont ainsi avancé l'hypothèse que les premières propriétés privées n'étaient pas les troupeaux ou la nourriture, mais les femmes esclaves kidnappées. Néanmoins, les communautés de chasseurs-cueilleurs n'ont sans doute pas atteint leur pleine capacité prédatrice avant la rencontre avec les communautés pastorales des éleveurs nomades. C'est ici que Mariamis relate la thèse de l'autrice et chercheuse américaine Elizabeth Fisher. Elizabeth Fisher est d'avis qu'un rapport de domination entre les hommes et les femmes ne pourrait être établi qu'après que les hommes aient découvert leur propre capacité générative. Cette découverte, selon elle, est allée de pair avec la domestication, et notamment l'élevage, des animaux comme nouveau mode de production. L'observation de la reproduction entre les animaux par les éleveurs a dû mener à la castration et l'élimination des mâles les plus faibles, tandis que les femelles étaient soumises à la coercition sexuelle. Tandis que les hommes apprenaient à domestiquer des animaux sauvages pour intervenir et manipuler leur comportement reproductif, ils découvrirent leurs propres fonctions génératives, menant à une transformation de leur relation à la nature et à la division sexuelle du travail. Pour les nomades pastoraux, les femmes ne sont plus très importantes en tant que productrices ou cueilleuses de nourriture, comme c'est le cas chez les chasseurs. Elles sont nécessaires comme éleveuses d'enfants, en particulier de fils. Leur productivité est désormais réduite à leur fertilité, qui est appropriée et contrôlée par les hommes. Contrairement à l'économie des chasseurs-cueilleurs, qui est principalement une économie d'appropriation, l'économie de ces éleveurs nomades est une économie de production. Cependant, ce mode de production présuppose l'existence de moyens de coercition pour la manipulation des animaux et des êtres humains, et pour l'extension du territoire. Ainsi, les nomades pastoraux sont sans doute les pères des relations de domination, en particulier celles entre les hommes et les femmes. Mais dans les communautés d'agriculteurs, cette relation va aussi émerger et se cristalliser dans l'institution du mariage, système par lequel les hommes les plus âgés accumulent les ressources et les femmes et imposent leur domination. Ce système repose là encore sur la production continue de la subsistance par les femmes. La chasse dans ces économies dites domestiques est un sport et une activité politique plutôt qu'une activité économique. Les jeunes hommes
organise des raids sur les autres communautés pour s'approprier des esclaves, souvent des femmes, qu'il garde pour qu'elles travaillent pour eux ou pour les échanger avec d'autres communautés. Ces esclaves étaient donc une source d'accumulation de propriétés privées. Mariami s'écrit : Ainsi, l'esclavage n'est évidemment pas né du commerce, mais du monopole masculin sur les armes. Avant que les esclaves puissent être amenés et vendus, ils devaient être capturés, ils devaient être appropriés par un maître, par la force des armes. Cette force prédatrice d'acquisition de la force de travail, tant pour le travail sur des parcelles privées que pour la vente, était considérée comme l'activité la plus productive de ces guerriers chasseurs, qui, il faut le rappeler, n'étaient plus des chasseurs et des cueilleurs, mais vivaient dans un système économique basé sur le travail agricole productif des femmes. Ils étaient les maris des agricultrices. L'ethnologue français Pierre Bonte déduit de ses études parmi les Touaregs que l'esclavage est la précondition pour l'expansion de ces économies domestiques, en économie plus diversifiée où la demande de travailleurs est très élevée. Ainsi, le mode de production prédateur des hommes, basé sur le monopole des armes, ne peut devenir productif que s'il existe d'autres économies de production, essentiellement féminines, qui peuvent être pillées. Mariami nomme ce processus une production non productive. Les études anthropologiques ont aussi montré qu'il existe un lien étroit entre le pillage, le butin et le vol d'une part, et le commerce d'autre part. Ce qui était négocié et échangé contre de l'argent n'était pas l'excédent produit en excès des besoins de la communauté, mais ce qui était volé et approprié sous la contrainte des armes. Ainsi, il est possible de faire remonter l'origine de la division sexuelle asymétrique du travail à ce mode de production de prédation et d'appropriation exercé sous la contrainte des armes, de la violence directe. L'appropriation unilatérale de cet excédent qui a été volé a entraîné l'établissement des classes sociales. Celles-ci sont donc intrinsèquement imbriquées avec la mise en place du contrôle patriarcal sur les femmes comme productrices de la vie dans ces deux facettes. L'historienne Marilène Patou-Mathis corrobore cette analyse en 2020 dans son livre « L'homme préhistorique est aussi une femme » dans lequel elle situe les débuts du patriarcat au néolithique. Elle écrit « La violence des sociétés préhistoriques de paléolithique n'étant pas archéologiquement attestée, les relations entre hommes et femmes à cette période n'étaient sans doute pas aussi antagonistes que certaines thèses l'ont avancé. La domination des femmes serait plus récente et consécutive à l'instauration du système patriarcal, établi par la violence, notamment par la prise de pouvoir des hommes sur le corps des femmes. Cette volonté de prendre possession du corps de l'autre, sans son consentement, se retrouve dans de nombreux mythes où les femmes sont violées après avoir été enlevées. Au même titre que la culture de la guerre, la culture du viol s'inscrit très tôt dans les représentations. L'historienne situe ces changements dans l'organisation sociale autour de 6000 ans avant notre ère. Ils auraient remodelé les rapports sociaux, faisant apparaître des élites et des castes, dont celle des guerriers, et entraîné une division sexuée des tâches plus marquée, ainsi qu'une généralisation de la résidence patrilocale et de la filiation patrilinéaire. Ces transformations, qui bouleversent la place des femmes dans la société, sont perceptibles à partir de 5000 ans avant notre ère, dans la composition du mobilier funéraire, plus sexué et moins diversifié dans les tombes des femmes et l'état de santé des squelettes féminins mis au jour. On note une augmentation non seulement des pathologies liées à de durs travaux, au port de lourdes charges et à des grossesses répétées, mais aussi à des carences dues à une alimentation sous-protéinée et des traumatismes consécutifs à des violences. Dans d'autres tombes, les femmes sont richement parées et leur squelette présente peu de traumatisme. La situation des femmes semble donc varier en fonction de leur position sociale. Ce mode d'appropriation non productif et prédateur est devenu le paradigme de toutes les relations historiques d'exploitation entre les êtres humains. Son principal mécanisme consiste à transformer des producteurs humains autonomes en conditions de production pour d'autres, ou à les définir comme des ressources naturelles pour d'autres. Mariami insiste sur un point. Le patriarcat n'a pas vu le jour universellement partout dans le monde. Il a été développé par des sociétés patriarcales distinctes à travers leurs grandes religions respectives, les Juifs, les Indo-Européens, les Arabes, les Chinois. La montée en puissance de ces civilisations s'est faite par la conquête et la guerre.
ce qui signifie que pour analyser le patriarcat, il est nécessaire d'abandonner une approche du processus historique qui serait unilinéaire et universelle. L'homme chasseur sous le féodalisme et le capitalisme. Selon Mariamis, le féodalisme et le capitalisme ont été nécessaires pour que se réalise le plein potentiel du mode de prédation, qui est basé sur la division patriarcale du travail. Parmi les hommes, Mariamis fait la distinction entre ce qu'elle nomme les grands hommes, ceux qui détiennent le pouvoir, et les petits hommes, exploités pour leur travail. Elle remarque que le mode prédateur patriarcal n'a pas été totalement aboli, lorsque de nouveaux modes de production, en apparence moins violents, ont remplacé les anciens. Ce mode a plutôt été transformé et réinventé, dans le sens où il est réapparu sous de nouvelles formes de contrôle du travail. Aucun des modes de production apparus plus tard dans l'histoire de la civilisation n'a supprimé la prédation et l'acquisition violente par des non-producteurs, de producteurs, de moyens de production et de produits. Les relations de production ultérieures ont la même structure, basée sur des relations asymétriques et d'exploitation. Seules les formes de domination et d'appropriation ont changé. Ainsi, les femmes sont devenues une marchandise dans un marché matrimonial asymétrique et inégal, car le contrôle d'un plus grand nombre de femmes permettait d'accumuler des richesses. Les grands hommes, c'est-à-dire l'État, progressivement, sont alors devenus les gestionnaires de la reproduction sociale et de la production. Dans toutes les civilisations patriarcales, la division asymétrique du travail par sexe, une fois établie par la violence, a été maintenue par des institutions telles que la famille patriarcale et l'État, ainsi que par de puissants systèmes idéologiques tels que les religions, le droit et la médecine patriarcaux. Ceux-ci ont défini la femme comme une partie de la nature qui doit être contrôlée et dominée par l'homme. Le développement du féodalisme, basé sur l'appropriation de la terre, est inséparable de la violence qui a permis sa mise en place. Mariamis écrit « La forme prédatrice d'acquisition de nouvelles terres et le recours à grande échelle au pillage et à la spoliation par la classe féodale armée sont une partie inséparable et une condition préalable à l'essor et au maintien de ce mode de production. » Plus tard dans l'histoire, l'acquisition de propriétés territoriales a été liée à l'acquisition des paysans vivant sur ces terres, qu'ils n'avaient pas le droit de quitter. Ainsi, les paysans ont vu leur statut être assimilé à celui des femmes et de la nature. Leur corps faisait partie du territoire qui, tous deux, appartenait au seigneur. Il ne s'agissait plus d'acquisition par la violence directe, mais d'une relation pacifique de violence structurelle, c'est-à-dire de domination entre seigneur et serf. Malgré ces mécanismes pacifiques de contrôle des travailleurs, les seigneurs n'ont jamais abandonné la violence, même si ce n'était qu'en dernier recours. Ce monopole sur les moyens de coercition était la condition pour établir et maintenir sous contrôle les paysans et les femmes. Mariamis dresse le parallèle entre le féodalisme et le capitalisme. Le capitalisme a aussi recours à la relation dite pacifique de violence structurelle pour contrôler le travail, c'est-à-dire le travail salarié. Elle écrit « Ces relations de production apparemment pacifiques, fondées sur des mécanismes de coercition économique, de violence structurelle, n'ont pu se construire que sur la base d'une formidable expansion du mode d'acquisition prédateur. L'acquisition directe et violente de l'or et d'autres produits, principalement de l'Amérique hispanique et des producteurs d'or, d'abord les Indiens en Amérique latine et plus tard les esclaves africains, s'est avérée être l'activité la plus productive dans ce qui a été décrit comme la période de l'accumulation primitive. Ainsi, le capitalisme a généralisé et renforcé les formes de contrôle sur les capacités des êtres humains. Par contraste avec les premiers patriarches pastoraux, les premiers patriarches capitalistes se contentent de s'approprier, ils ne produisent pas. Mariamis restitue ainsi la thèse de la philosophe écoféministe Caroline Merchant. Alors que les classes dirigeantes des pasteurs et des seigneurs féodaux étaient encore conscientes de leur propre dépendance à la nature, y compris aux femmes, que ces classes tentaient donc d'influencer par la magie et la religion, la classe capitaliste s'est considérée dès le départ comme le maître et le seigneur de la nature. La division qui s'en est suivie a défini certaines parties du monde comme nature, c'est-à-dire comme sauvage, non contrôlée, et donc ouverte à l'exploitation et aux efforts de civilisation, et d'autres comme humaines, c'est-à-dire déjà contrôlées et domestiquées. Les premiers capitalistes ne s'intéressaient qu'à la force musculaire des esclaves, à leur énergie pour travailler. La nature était pour eux un réservoir de matières premières
et les femmes africaines, une réserve apparemment inépuisable d'énergie humaine. L'une des principales transitions que cette conception capitaliste du monde a entraînée, c'est l'évolution du statut des travailleurs masculins des métropoles européennes. Ceux-ci se sont vus humanisés, ou autrement dit, civilisés, tandis que les travailleurs et les travailleuses des pays périphériques et des colonies furent naturalisés. Cette pacification du travailleur européen ne s'est pas faite par sa participation au processus démocratique, par l'accès à la citoyenneté. C'est plutôt parce qu'il en est venu à partager l'une des caractéristiques principales de la classe dominante, c'est-à-dire la possession d'une part de la nature, d'une colonie à lui. La colonie de ce travailleur n'était pas située en Afrique ou dans les Antilles, mais dans sa propre maison. Il s'agit des femmes de sa propre classe sociale. Mariami s'écrit « À l'intérieur de cette part de nature, dont les limites sont définies par les lois du mariage et de la famille, il a le monopole des moyens de coercition, de la violence directe, qu'au niveau de l'État, les classes dirigeantes ont investi dans leurs représentants, c'est-à-dire le roi et plus tard, les représentants élus. Ce processus de naturalisation affecte aussi les femmes de la bourgeoisie, qui sont principalement définies comme reproductrices et éleveuses d'héritiers de la classe capitaliste, comme en atteste le Ménager de Paris, livre à succès écrit autour de 1395 par un bourgeois parisien d'âge mûr pour son épouse de 15 ans. Il y détaille, en citant la Bible, les travaux domestiques, les devoirs sociaux et conjugaux que doivent accomplir les filles et les jeunes mariés. On peut y lire « Une épouse doit être humble et obéissante à son mari, avoir soin de son ménage avec diligence et persévérance. » Mais contrairement aux femmes africaines considérées comme faisant partie de la nature sauvage, les femmes bourgeoises étaient assimilées à la nature domestiquée. Leur sexualité, leur pouvoir génératif, ainsi que toute leur autonomie productive, étaient supprimées et strictement contrôlées par les hommes de leur classe, dont elles étaient devenues dépendantes pour leur subsistance. La domestication des femmes bourgeoises, leur transformation en femmes au foyer, dépendantes du revenu du mari, est devenue le modèle de la division sexuelle du travail sous le capitalisme. Elle était également nécessaire pour obtenir le contrôle des capacités reproductives des femmes, de toutes les femmes. Le processus de prolétarisation des hommes s'est donc accompagné d'un processus de femmes aux foyerisation des femmes. Dans ce processus, la maison et la famille forment la sphère où la force de travail est reproduite. Elles sont définies comme une nature, mais une nature privée, domestiquée, tandis que l'usine devenait le lieu de la production publique, sociale, humaine. Cependant, Mariami s'insiste. Ce processus de domestication des femmes ne s'est pas fait pacifiquement. Les femmes n'ont pas abandonné sagement leurs pouvoirs reproductifs et sociaux aux hommes. Des siècles d'attaques brutales des hommes contre les femmes et contre la maîtrise de nos moyens reproductifs et productifs ont fini par épuiser la classe des femmes pour qu'elles deviennent les êtres soumis et domestiqués que nous sommes supposés être aujourd'hui. Ce qui amène Mariamis à écrire « Le pendant des raids d'esclaves en Afrique était la chasse aux sorcières en Europe ». Les deux semblent liés par le même dilemme auquel est confrontée la version capitaliste de l'homme chasseur. Il a beau essayer de réduire les femmes à une simple condition de production, à une nature à s'approprier et à exploiter, il ne peut produire de force de travail humaine vivante sans les femmes. Le modèle d'appropriation a ses limites naturelles. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire pour les hommes de resserrer autant que possible leur contrôle sur les capacités de reproduction des femmes. Les femmes n'étaient pas vues comme sexuellement passives. Leur activité sexuelle était considérée comme une menace pour l'homme vertueux, qui veut être certain que ses héritiers sont les siens. Comme la femme est associée à la nature, donc au péché, elle doit être sous la garde de l'homme, qui doit contrôler, avec la violence s'il le souhaite, cette menace. Elle devient une mineure à vie. C'est pour cette raison qu'entre le XIVe et le XVIIIe siècle, les femmes furent poussées hors de leur métier, comme celles qui étaient artisanes ou sages-femmes. Leurs propriétés furent saisies par les autorités, État ou Église, et elles furent entièrement dépossédées du contrôle sur leur corps et sur leur capacité de reproduction. Les femmes furent persécutées, torturées, brûlées, afin d'annihiler leur capacité de choisir de donner la vie ou d'avorter. Ainsi, la chasse aux sorcières établit la supériorité et l'hégémonie de la productivité masculine dans les sphères culturelles, politiques et économiques sur la productivité féminine, tout en les privant
de leur autonomie productive et reproductive. Au bout de ce violent processus dit de civilisation des femmes, celles-ci sont suffisamment disciplinées pour travailler gratuitement pour un homme, ou en tant que travailleuses salariées mal payées pour un capitaliste, ou pour les deux. Maria Miss résume ainsi la thèse des historiennes allemandes Gisela Bock et Barbara Duden. Les femmes ont appris à retourner contre elles-mêmes la violence réelle utilisée contre elles pendant des siècles et à l'intérioriser. Elles l'ont définie comme volontaire, comme de l'amour, soit la mystification idéologique nécessaire de leur propre autorépression. Une idéologie transmise et maintenue fermement par les institutions de la religion, de l'État et de la famille. Elles furent reléguées à cette dernière par la division sexuelle du travail, par la loi et par leur dépendance économique aux hommes. La division internationale actuelle du travail ne s'est pas débarrassée de ses composantes barbares et sanglantes de ses débuts. Les domaines militaires et policiers représentent encore aujourd'hui les secteurs les plus productifs, à travers le monopole de la violence légalisée. Toute rébellion des travailleurs est aisément matée, tandis que les producteurs de subsistance et tous les secteurs périphériques sont progressivement assimilés pour participer au processus mondialisé d'accumulation. Ainsi, le paradigme du chasseur-guerrier-prédateur est toujours valable. Il ne produit pas, mais par le moyen des armes, il s'approprie et subordonne d'autres producteurs, leurs forces productives et leurs produits, qu'ils consomment également. C'est ce qui amène Maria Miss à cette conclusion. L'homme chasseur est essentiellement un parasite, pas un producteur. Ici se termine le deuxième chapitre de Patriarchy and Accumulation on a World Scale. J'espère qu'il a été aussi éclairant pour vous qu'il l'a été pour moi, et qu'il vous aura donné des clés de compréhension sur les origines de la division sexuelle du travail. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. On se retrouve pour le prochain épisode, consacré à la première partie du chapitre 3, intitulé « Colonisation et femmes aux foyerisations ». À bientôt sur Floraison.